Et bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Moi, c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et aujourd'hui, je te présente. Alors, pour une fois, il est tout frais, il vient de sortir. C'est le petit Etela ou Etega de Cabrian Myrine. Hop, donc voilà, c'est un coffret qui est aux éditions Trajectoire. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah déjà, bienvenue, bienvenue, bienvenue au nouveau. Et puis, ben, voilà, on se fait la petite présentation. Et puis, je pense que je te ferai une autre vidéo avec un tirage, peut-être le tirage du mois, pourquoi pas. D'abord, j'adore la boîte. J'adore, ouais, j'aime beaucoup le rouge. J'aime beaucoup le rouge. Donc, cette boîte, j'adore. Boîte toute rouge comme ça, j'adore, j'adore. Et dedans, il y a le bouquin, le jeu et surprise, surprise. En tout cas, pour moi, ça a été surprise, même si c'est écrit derrière, mais j'avais pas lu. J'avais pas lu. Je l'avais précommandé, donc du coup, j'avais pas lu. Mais surprise, il y a un tableau en fait. Un tableau pour faire 36 et 50 quelques, je crois. Ouais, j'ai un petit peu regardé, mais vite fait. 36. Je vais te montrer. Donc déjà là, on a pour faire le 36 cartes. Et de l'autre côté, on a pour faire le tableau de 42. Non, 52, 53, 54 du coup. 54 cartes. Donc on a hop, pour faire le grand tableau. Et le grand tableau, deux grands tableaux. Donc ça, on fera ça, je pense, un jour. Un jour, un jour. Je te ferai le grand tableau. Donc voilà. On a pour faire avec 36 cartes et on a pour faire avec les 54 cartes. Du coup, ouais, on verra. Donc ça, j'adore déjà. Super, super, super. Hein. Je voulais m'en acheter un de ça. J'ai vu qu'il y avait des tapis, il y a des choses comme ça qui se font. Ben, je suis super content. Donc, voilà. Je répète, mais j'aime beaucoup la boîte. Ouais, ben, d'habitude, c'est pas rouge et noir. Donc, là, rouge et noir, j'adore, j'adore. C'est bien mes couleurs. J'adore, j'adore. Et j'adore ton prénom aussi, Gabriel. Alors, maintenant, je suis allé voir, en fait, je suis allé un petit peu voir sur ton site, enfin, sur le site de l'auteur. Et bon, c'est pas ton vrai de vrai, mais c'est pas grave, c'est super chouli. Je trouvais ça super chouette, Gabriel, comme prénom. Et en fait, voilà, c'est génial. C'est génial. Ouais, non, je te laisse aller découvrir. J'essaierai de mettre en lien des liens pour que tu ailles voir et découvrir toi-même sa chaîne. Il a une chaîne YouTube, il a un compte Insta et il a aussi un site. Donc voilà, n'hésite pas, n'hésite pas. Moi, j'adore. Le format des cartes. Bon, déjà, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, le pourquoi je l'ai acheté. Hein. Enfin, en tout cas, vous, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vais te les montrer, les cartes, t'inquiète. Mais moi, je l'ai acheté juste parce que j'avais vu. Alors, je suis un fan de Lenormand. J'aime beaucoup Lenormand. Enfin, fan, fan. Pas quoi, j'en ai plein. J'ai plein de Lenormand. Et quand j'ai vu un petit peu quelques cartes. Ben, ça m'a un peu fait vibrer et puis je dis, oh, sympa, sympa. Là, je suis ravi. Alors, encore une fois, la boîte rouge, j'adore. Moi, j'adore. Ouais, il m'en faut peu, hein. La boîte rouge, j'adore. Le jeu, tu vois, il rentre bien. Je peux le mettre dans ma main, je peux le mettre dans ma poche, donc je peux l'emmener partout. Donc, j'adore. Et le bouquin. Alors, le bouquin. Le bouquin, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première, c'était avec l'oracle des origines, Kevin Meunier, qui a pareil son bouquin. Il est super, super passionnant à lire. Ouais, d'habitude, moi, je zappe un peu les bouquins des oracles ou des tarots. Et là, je sais pas, ça a bugué, non? Je crois que ça a bugué.
Alors, je ne sais pas quoi faire, non. Je continue. Donc, je disais que d'habitude, je zappe un peu les bouquins, des oracles et des tarots. Ça a l'air de marcher là. Mais là, j'adore, en fait, j'adore. Ben voilà, il y a la petite histoire, etc., etc. Et c'est passionnant, tout simplement. Ah ouais. Bon, en même temps, moi, j'aime bien lire, mais bon, c'est passionnant. On nous non. Il, Gabriane nous parle un peu de plein de choses, hein, d'Etelia, de Mademoiselle Lenormand, des correspondances aussi avec les carreaux, les piques, les cœurs et les trèfles. Du coup, c'est sympa, c'est sympa. On nous remet un peu sur l'histoire du tarot Etela, ou Etéia, je ne sais même pas comment on dit. Etela, Etéia. Et du coup, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? Regarde. C'est en couleur. C'est en couleur et on a deux pages à chaque fois pour chaque carte. Et c'est en couleur. Tu vois? Là, tu vois bien? Donc, c'est en couleur. Ben, ça, c'est super parce que comme ça, au moins, oui, c'est en couleur. Donc, c'est génial. Comme ça, tu vois bien. Et à la fin, tu as plein d'exemples, plein de tirages, donc voilà, pour nous aider, tout simplement, pour donner des idées, et puis c'est bien, moi je trouve, donc ben, le classique, hein, passé, présent, futur, donc voilà, donc sympa, avec le prénom, sympa aussi, là une évolution aussi à cette carte, en croix, etc., tirage astrologique, qui peut être sympa. Le carré de neuf aussi. Et on a les grands tableaux. Il nous explique comment utiliser du coup le dépliant avec les tableaux. Donc voilà, là c'est le 36. Et après je suppose. Enfin, non, je suppose oui, il y est, puisque j'ai vu déjà. Ouais, j'ai déjà regardé. Ouais, j'avais envie. Je savais pas si j'allais faire une présentation en fait. Donc je savais pas. Tu vois, après, ça fait toutes les cartes, mais ça fait joli en plus, hein. Ça le fait, hein. Moi, je trouve que ça le fait, ça. Ça en jette. En plus, les cartes, elles sont belles. En plus, j'étais en train de te dire quoi? Oui, donc là, il y a le deuxième tableau, tu vois. Ouais, non, j'ai pas attendu parce que je pensais pas faire. Tu vois, ça fait joli, hein. Quand tu mets toutes les cartes, ça fait joli. Je pensais pas faire une présentation. En fait, je voulais faire directement un tirage. Mais j'y arrive pas, il faut absolument que je fasse une présentation. En plus, elles sont en ordre, donc autant profiter pendant qu'elles sont en ordre. Bon, après, on a une petite bibliographie à la fin. N'hésite pas à aller voir sur son site, parce que je sais qu'il a aussi des ouvrages à lui. Mais il ne les met pas là, c'est dommage, tu aurais dû les mettre. Alors, à propos de l'auteur, bah tiens, ça c'est un peu plus intéressant. Je vais te le montrer. Donc, l'auteur Gabriane Myrdine, j'espère que j'ai bien prononcé, m'en veux pas. En tout cas, j'adore Gabriane et j'adore le. Voilà, toi tu sais, si tu passes par là un jour, et bah, tu sais pourquoi j'aime bien. Signe ici. À l'art de la cartomancie auprès de sa grand-mère maternelle en 1996. Il se passionne ensuite pour le tarot, les cartes et oracles. Ses investigations et expérimentations l'ont amené à explorer et pratiquer le monde des énergies et différentes formes de magie. Un magicien, génial! Thérapeute, enseignant et auteur dans les domaines du bien-être et du développement personnel, de la médiumnité et du magnétisme. Très intéressant du coup, parce que moi je suis pareil, enfin je suis pareil, non je suis pas pareil, moi aussi je suis thérapeute et je fais dans le magnétisme, enfin des énergies, donc du coup c'est génial, bien-être, ah c'est cool. Il garde une soif de connaissances intarissable qui n'a d'égal que son envie de partage. Du coup, ouais ben là, donc on a, voilà je vais te montrer, hop. Mais je te les mettrai, donc là tu as ces réseaux. J'espère que tu les vois bien. Sinon, ne t'inquiète pas, je les mettrai. Donc c'est cool, ils y sont. J'aurais pas besoin de chercher partout, même si, bon, moi je suis déjà abonné.
Je suis déjà abonné à lui, je le suis déjà depuis un petit moment. Donc je suis ravi. En plus, il est super sympa. Donc j'ai déjà pas eu de grandes discussions avec lui. Je vais pas non plus m'inventer des amis. Hein, non, non. Mais c'est vrai qu'on a déjà échangé des petits mots par-ci, des petits mots par-là. Et je le trouve super sympa. Sympa. Oh, le livre de Thoth, ou Tarot d'Étéa. D'accord. Ah, c'est cool ça. Ouais, pardon, non, c'est des sélections de jeux divinatoires qui présentent. Oui, non, mais j'ai pas lu les dernières pages, c'est la bibliographie et tout ça, j'ai pas lu. Mais sinon. Eh ben écoute, je te propose, donc tu vois, il y a tout, tout, tout. Donc, super. Super, super. Je te remontre une dernière fois la boîte avec ce rouge que j'adore, j'adore, j'adore. Et donc du coup, il y a le tableau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, je vais pas. Ouais, donc le coffret, donc c'est, il est composé d'un livre de 224 pages. Hop, le bouquin. D'un jeu, enfin du jeu inédit, le nouvel était là, de 52, 54 pardon, cartes, et le plateau, double face, donc une face avec les 36, le tableau de 36, et l'autre face avec le tableau de 54. Édition Trajectoire. Donc voilà, moi j'ai eu du mal à le trouver. D'accord? Et je trouve que j'ai de la chance de l'avoir reçu aussitôt. En fait, je te raconte un petit peu. Je suis allé à la FNAC pour l'acheter, pour le réserver. J'y étais allé le samedi parce qu'il sortait le 12 septembre. Moi, j'y suis allé le samedi. Et en fait, elle me fait, ben non, je peux pas. Je l'ai pas dans. Elle l'avait dans son ordi, mais elle ne pouvait pas. Elle me dit, je vais pas le recevoir, en fait. Je le reçois pas. Donc, si vous le trouvez ailleurs, achetez-le ailleurs, elle m'a dit. Voilà. Elle ne pouvait pas l'avoir à la FNAC. Elle l'a quand même commandé. Elle m'a dit, je vais en commander quand même deux, trois. Mais si je. Voilà. Elle a été cash. Elle m'a dit, mais si vous le trouvez sur Internet ou ailleurs, ben, n'hésitez pas parce qu'on ne l'aura pas. Et on ne l'aura sûrement pas d'ici. Pas prochainement. Du coup, en rentrant, je l'ai vite commandé sur Amazon. Et Amazon m'envoie un message en me disant, vous n'aurez pas votre jeu avant. Alors, date de livraison prévue. Je crois que c'était entre le 4 septembre, le 4 octobre et le 20 et quelques novembre. Donc du coup, j'attendais plus et je l'ai reçu le 15. Donc je l'ai reçu là, il n'y a pas longtemps. Donc je suis super content. Parce que bon, une fois, je peux te présenter un jeu tout frais qui vient juste de sortir. Donc le dos, il est beau. Il est très très beau. Ça me fait penser à une ammonite. Ammonite, hein? Ouais. J'en ai là, quelque part. J'en ai là quelque part. Et puis avec l'œil, donc c'est cool. L'œil, l'étoile. En fait, là, je vois un œil, je vois une étoile, je vois plein de choses. C'est super chouette. Il y a deux cartes supplémentaires. Deux cartes que tu n'es pas obligé d'utiliser. Tu peux utiliser ou pas. La carte 0, qui est la carte qui va représenter, bah, nous représenter nous, le consultant. Voilà. Donc moi, toi, nous, il, nous, vous. Voilà, la Terre entière, le monde entier, cette carte, c'est nous. Et, je l'ai mis là, cette carte-là, qui est l'équivalent, donc ça c'est lui qui le dit, hein, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. Donc pour ceux qui connaissent le Béline, dans le Béline, il y a une carte qu'on n'est pas obligé d'utiliser, que beaucoup de gens n'utilisent pas, c'est la carte bleue, et ben voilà, donc cette carte-là, hop. C'est la carte Joker, il a appelé la carte Joker. En plus, là, c'est cool, il y a l'infini, le signe de l'infini derrière, en haut. Et en fait, c'est un peu aussi. Oui, non, c'est pas un peu. Cette carte, elle va venir améliorer le tirage. Un peu plus. Elle va apporter un peu plus de positif. Hein. Elle va atténuer le négatif, enfin bon, voilà, en fonction aussi de ce qu'il y a à côté. Donc, voilà, les deux cartes supplémentaires. Donc, je te remonte le Joker et la carte 0, qui est magnifique.
Après, moi, je sais que j'utilise mes cartes comme j'en ai envie. Je l'ai acheté, maintenant il est à moi, il est à moi. J'en fais ce que je veux en fait. Donc les significations, ça va être en fonction aussi des ressentis et des messages que je vais recevoir ou pas. Donc je te dis ça parce que déjà là, tu vois, je vois bien, je vois un œil, je vois un peu la clairvoyance, je vois un peu, tu vois, la boule de cristal, la divination, la médiumnité. Donc c'est une carte qui peut aussi... qui va peut-être aussi pouvoir dire des choses. Même si ici, on n'a pas non plus trop de liberté d'interprétation. Hein. Pour ceux qui connaissent le Normand, il n'y a pas trop de place aux interprétations. Il y a des interprétations qui sont déjà bien posées. Mais bon, à partir de là. Donc, c'est parti. Donc, ça, c'est toi, c'est moi, c'est tu, c'est nous, c'est il, c'est qui tu veux. La première carte qui est aussi associée, tu verras, il y a des associations avec les jeux de cartes normales. Donc celle-là, la une, c'est l'as de carreau. Et il y a en droit et il y a en vert. Donc ici, on a hop, naissance. Hein, ouais, naissance. Et de l'autre côté, on a le déclin. Donc là, on va pouvoir aussi, pareil, hein, naissance, c'est un commencement, c'est un projet qui démarre, ça peut être une naissance, un bébé, etc., etc. Enfin bon, voilà, c'est le début aussi de quelque chose. Hop, tu vois, il y a deux sens. Qu'on n'est pas obligé d'utiliser les deux sens. Je ne sais pas si tu le sais, mais voilà. Ça, c'est le protocole que toi, tu donnes à tes cartes en début, donc ou avant de commencer ton tirage, ou pour toujours, tu te dis, moi, je n'utilise que le sens en droit, j'utiliserai jamais le sens à l'envers, donc tu as juste à donner ça à l'univers, en protocole, à tes guides, et quand les cartes tombent, même si elles sont à l'envers, bah, tu les remets à l'endroit, tout simplement, et tu ne lis que à l'endroit. Tu n'es pas obligé de lire les deux sens. Voilà, donc sache-le que nous sommes libres, et encore plus sur ma chaîne, tu es libre d'interpréter comme tu veux les jeux. Après, voilà, un minimum de respect quand même pour l'auteur. Mais, et puis, enfin là, c'est pas un oracle-oracle, d'accord? On est plus dans, voilà, comme je te disais, c'est comme les Normands, les Telai, il a son petit truc déjà bien placé, bien posé. Après, il y a des différences hein, entre les cartes que je vais te présenter et le Normand. Donc, il va falloir aussi faire un peu le vide du le Normand quand tu utilises celui-là. Mais bon, moi j'adore, elles sont super belles. Donc, absence et surprise. Donc, à l'endroit, c'est absence. Et alors, oui, je t'ai pas dit ça, c'était l'œuf. Un œuf. Et là, c'est la cage. À l'endroit, c'est l'absence et à l'envers, ce sera la surprise. Hop. Donc après, pareil, tu peux... Ben, je vais pas partir... Non, parce que je pars aussi dans les oracles normales où tu te laisses un peu aller à ton inspiration. Après, tu vois les cartes? Il y a comme des traits là. Donc c'est comme une usure, comme ça fait comme du parchemin. Je sais pas comment te dire, mais en tout cas, elles sont très belles. Ah oui, je t'ai pas dit, mais elles sont bien. Hein. Elles sont bien. Moi, je suis content. Super content avec ces cartes-là, en tout cas. Bon, là, à ce train-là, ouais, à ce rythme-là, on en a pour une plombe. L'arc qui est l'élan et qui est aussi l'issue, suivant le sens. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, tu vois, comme je te disais, tu as le sens dans les cartes classiques. Ouais, c'est les cartes classiques. Ici, nous avons l'alliance, concorde et progrès. Je sais pas si je vais tout te lire, hein, quand même. Hein. Tu vois, c'est sympa. Le coffre. Hop. Donc, en fonction du sens, il y aura entrée ou sortie. Hein, ouais, on peut dire ça comme ça. Le domestique. Donc, on a service et on a délai. Donc, qui peut aussi... Enfin, moi, je pense que ça peut aussi représenter quelqu'un. Hein. Enfin, bref. Ça, hop, c'est le... 6 de carreau.
Les oiseaux, bavardage et indécision. La campagne. Le dédale avec le contretemps et l'ajournement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les cartes, elles sont belles. Elles ont. Je sais pas si tu vois bien en fait, mais tu vois les couleurs. Ça fait. Moi, je trouve ça fait ouais un peu parchemin, un peu. En plus avec le noir, c'est cool. Moi, je pense que je vais peut-être faire des bords rouges. Peut-être, ouais. Je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, je sais ce que je me disais. Je me disais, tiens, ça pourrait être sympa de faire les bords rouges. Ouais, parce que noir, j'ai mon quoi, c'est ma triade qui est noire. J'ai les martiens qui est vert. J'ai du doré, j'ai de l'argent. Rouge, ça peut être sympa. J'aime bien. En plus, voilà. Bref, ça c'est moi. Ça ne regarde que moi. Le vaisseau. La lettre, le chat. C'est sympa, hein? Les affaires. Ça me fait penser un peu à la table du Butler, ça, cette carte, depuis que je l'ai vue. Ensuite, on passe au pic avec la 14 et on a l'épée, qui est très belle. Donc, on a tension d'un côté et pulsion. Pulsion, passion, le feu, le chien avec fausseté et amitié. Donc tu vois, ça c'est typique de. Enfin, typique, non. Ça, c'est une carte qui ressemble au Le Normand. Avec le chien. Le désert. Sont très belles. La chrysalide, ouais, je vais me répéter, mais elles sont sympas les cartes. Hein. Moi, j'aime beaucoup la cassure avec perte et deuil, pardon, deuil. Les ronces, les obstacles, le nuage, le rat. La faux. J'accélère un petit peu, hein. La nuit. Le masque. La tour. La chouette. Je ne sais pas, il y a la balance, t'as vu? Qu'est-ce que ça nous dit là? Intelligence et. Célérité, on vit avec la balance, la justice, on voit que c'est un messager. La chouette. Le soleil. Sympa. J'y voyais vert. Le soleil. Les chemins. Qui vont là, ici, être hésitation et papier. Donc tu vois, il y a une petite différence hein, quand même. Entre la croisée des chemins du Le Normand, le choix. Les lauriers, grandeur et petitesse. Le laurier qui porte bonheur, je ne sais pas si tu sais, mais c'est une plante porte-bonheur. Et les jeunes hommes, à une certaine époque, justement, portaient sur eux, durant 6 semaines, des colliers de lauriers. Pour ne pas être tiré au sort pour partir à la guerre. Enfin bon, c'était, voilà, pour porter la chance vraiment de leur côté et être avantagé dans. Je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, l'appel à l'époque, à une époque qu'on n'a sûrement pas connue. Enfin, moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Hein. Le bouquet. Et bon, le laurier a beaucoup d'autres bienfaits aussi. Les amants. L'instant. Oh. C'est mignon. Il y a un truc mystère. Je sais pas, il y a un truc intrigant, mystérieux. C'est zen aussi.
C'était l'instant. Le trèfle. L'énergie, ah, j'adore. L'énergie, on a dit dynamisme et abus. J'aime beaucoup. Oh. Oh. L'échelle. Ah ben ça ressemble à mon dessin de... Il est où? Ah ouais, non, mais là, je ne vais pas tout déplacer. Un dessin que j'ai fait de l'élément R, O. Avec la main. Comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, on a dit que c'était l'échelle. Donc l'échelle, donc ça, du coup, ça fait faveur et duperie. Donc voilà, hop. Tu vois, je donne et je prends l'encre. Qui là, tu vois, on a la stabilité et ici on a le hasard. Donc ça nous change, hein, ça aussi du Lenormand. La rose avec la passion et la paresse. La fée. Le chevalier. C'est bien ça, hein, chevalier. Et du coup, le chevalier, c'est un protecteur et influence. Et la fée, je t'ai pas dit, c'est sincérité et hostilité. La fée, le chevalier. Alors, c'est des illustrations de Gabriel, hein. C'est l'auteur qui les a dessinées. Le foyer, les anneaux. L'anneau de pouvoir. Donc anneau, mais là on retrouve le yin et le yang. Donc moi ça me fait penser aussi à équilibre. Là on a fusion, on a frustration. Ouais. Célébration avec ce feu d'artifice. Les ruines. Les racines. Avec l'arbre. L'horloge. On a le passé. Ah, passé, avenir. Le temps, ouais, le temps. Les rouages. Pensée et projet. La colombe. Apaisement, joie. La clé. Avec les sup. Superficialité et la victoire. La clé. Le parc. Le cœur. La licorne. Grâce et séduction. C'est sympa qui nous ait mis les correspondances en classique. Je trouve ça sympa. Et le livre. Oui, ça c'est le joker que je t'ai déjà montré. Et le livre. Donc livre avec la bougie aussi. On a sagesse et on a malhonnêteté. Waouh. Donc voilà pour le nouvel été là. De Gabriel Mérine. Et 28, ouais, il faut que je brasse. Allez, on va se faire vite fait comme ça, juste 2-3 petites cartes, histoire d'avoir une petite avance sur un petit message. Allez, on va juste demander un petit message tout simple. On va pas. Je te ferai après une autre vidéo pour faire le tirage du mois d'octobre. Je vais te le faire là à la suite avec ce jeu-là, d'ailleurs. Et là, il faut quand même que je le brasse un petit peu. Bon, ici les cartes tombent. Déjà, il se brasse bien. Donc ça me plaît. Ça me plaît. J'essaie de pas. Tu vois, j'essaie d'y aller quand même en douceur. Parce que bon, j'ai quand même envie que. Enfin, je prends soin un peu quand même de mes jeux. Pour les garder le plus longtemps possible. Et puis ben, ça, c'est un jeu que j'ai envie de garder. Et que j'espère utiliser souvent. Donc,
Allez, on prend. Allez, on va prendre. On va prendre. Oh, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Ah ouais, il y en a plein qui sont tombés. Donc, on a l'alliance. L'alliance qui est sortie, mais à l'envers. Ouais, moi je prends. Je prends. Donc là, on a des progrès. Progrès. Alors, progrès, là, j'ai avec le coffre, j'ai envie de dire dans une affaire, peut-être un. Là, il y a des contestations. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes avec un héritage ou. Enfin, pas spécialement héritage, mais tu vois, il y a une contestation. Il y a des progrès dans une affaire, peut-être d'argent. Ouais, mais si elles sont toutes à l'envers. Délai, tu vois. Contestation, délai, avec le domestique là, tu vois, il y a un délai, donc au retard, moi j'ai envie de dire un retard, mais il y a du progrès, délai, progrès, ouais, progrès, alors peut-être que tu vas avoir un délai supplémentaire, peut-être que tu, je sais pas, peut-être que tu dois des sous, les impôts ou autre, et tu vas avoir un échéancier ou quelque chose, tu vois, il y a délai, il y a, ouais, moi j'ai ce côté de comment je t'ai dit de retard, mais il y a le progrès, donc il y a une progression quand même qui est faite, donc ça c'est cool. Avec les oiseaux, elles sont toutes à l'envers. Avec les oiseaux, on a l'indécision. L'indécision, c'est peut-être ça le qui pose problème, de se décider. Et attention, attention, le chien à l'envers, ici on a fausseté, donc voilà, tout est à l'envers. Écoute, hein, c'est comme ça. Allez, si je te prends cela, on a le soleil. Donc, on a le triomphe là-dessus. On a le triomphe. Mais voilà, donc on a quand même. Donc, il y a une progression dans cette affaire. J'ai envie de dire d'argent, mais c'est. Ouais, il n'y a pas. Ouais, d'argent. Un délai, peut-être. Là, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas la carte du travail, mais en voyant le serviteur là, ça peut être, tu vois, oui, travail, ça peut me faire penser au travail, quelqu'un qui travaille et qui a justement des soucis d'argent et bah, peut-être fais attention de ne pas te faire avoir, peut-être que là il y a quelqu'un qui va essayer de voilà, parce qu'il y a de la fausseté, hein. Il y a de la fausseté. C'est une décision, donc sois prudent. Écoute, sois prudent. Mais ça avance et dans tous les cas, tu as le soleil qui est ressorti avec cette carte du triomphe. Donc, on avance, on progresse plutôt dans le bon sens. Voilà, le petit exemple de tirage à ma sauce. À ma sauce. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bah oui, à tout de suite. De toute façon, tout de suite, je vais te faire la vidéo du mois. Je vais utiliser celui-là, puis je vais faire ma petite sauce, hein. Je vais utiliser plusieurs jeux. Et je te dis donc à très très vite. Donc pour la vidéo du mois, les astros, etc. etc.